Petit cafouillage dans tous en cuisine. Invité à reproduire la recette simplifiée de Cyril Lignac ce mardi soir sur M6, Marine l'Orphelin était en difficulté au moment de la confection du plat au poisson. À l'approche des fêtes de fin d'année, M6 mise sur son rendez-vous désormais phare. Cyril Lignac et Jérôme Anthony sont de retour en Access Primetime avec Tous en cuisine. Le principe n'a pas été dépoussiéré. Le chef propose une recette à reproduire en direct par un panel d'invités depuis chez eux, mais aussi par l'animateur déployé exceptionnellement en région, à Valbonne, Alpes-Maritimes, précisément. Au menu ce mardi 14 novembre, des mets succulents, inspirés du grand Joël Rebluchon. Frivolité de saumon avec une mousse de crevettes légère, pour 4 personnes. Et en dessert palais de chocolat, crème anglaise au café, a dévoilé le juré du meilleur pâtissier qui, cette saison encore, met à l'épreuve des célébrités. Tous en cuisine, cette partie de la recette du 14 novembre modifiée par Marine l'Orphelin. Marine l'Orphelin était l'invitée de la soirée et semblait très méticuleuse. Celle qui a été couronnée Miss France 2013 avait tout préparé. Enfin presque. Dès la confection de la verrine au poisson, la médecin âgée de 30 ans était en difficulté mais ne laissait rien paraître au cuisinier, à fond dans son rôle. Et au moment de concocter la crème à la ciboulette, l'expert avait insisté sur un fait, celui d'avoir de la crème épaisse. Après un petit moment de silence, la jeune femme a déclaré, « Je peux mettre du skyr, ça va ?» Perplexe, Cyril Lignac faisait alors une découverte. Marine l'Orphelin lui a, en effet, révélé qu'il s'agissait d'un yaourt protéiné. Rassuré, le fin gourmet a donné son feu vert à son apprenti, semblant désorienté. Tous en cuisine, pourquoi Cyril Lignac a autorisé ce changement? En vrai Cyril, je te dis la vérité, j'ai utilisé la crème fraîche que j'avais pour le saumon, je me suis planté, a confié Marine l'Orphelin, l'air coupable d'un gros délit. Amusé par sa confession, Cyril Lignac, habitué à voir des phénomènes dans les autres émissions qu'il co-anime, a répondu, « Ce n'est pas grave, faute avouée est à moitié pardonnée, donc mets du skyr. » Moi, je ne connais pas du tout ça, mais mets du skyr, ça me fait plaisir. Un ajout qui ne changera probablement pas le goût du plat du jour. Just me.